Bonjour. Nous allons aborder la question de Gary et de l'Afrique. Gary, romancier africain, si l'on veut, ou l'éducation africaine de Romain Gary. Mais qu'est-ce que Romain Gary a à voir avec l'Afrique? Le sujet peut surprendre. On sait qu'il est né à Vilnius en 1914, dans une ville qui était tantôt russe, tantôt polonaise, tantôt lituanienne, originaire d'une famille juive. Mais il est devenu un grand romancier de langue française, et ce n'est pas spécialement à l'Afrique que fait penser son parcours européen. C'est un romancier peut-être européen, plus encore que français. On sait aussi qu'il était très à l'aise dans la langue anglaise, qu'il a vécu à Londres pendant la guerre, qu'il a vécu longtemps aux États-Unis, à New York, à Los Angeles, et l'anglais était aussi une langue très courante, si bien qu'il écrivait des romans en anglais comme première version, et on peut considérer qu'il est un grand romancier anglo-saxon, voire un romancier américain. Mais pourquoi l'Afrique? On sait aussi qu'il a été en poste, tout au long de sa carrière diplomatique, en Bulgarie, en Suisse, aux États-Unis, en Bolivie, mais jamais en Afrique. Quant à l'action de ses romans, il se situe un peu partout dans le monde, certains en Pologne, éducation européenne, en Italie, Europa. En France, beaucoup de romans de la fin de sa vie, notamment les romans signés Émile Ajar, se situent en France. Les cerfs-volants aussi, son dernier roman publié. Certains se situent en Amérique du Sud, comme Les Mangeurs d'étoiles. Une grande partie de Chien blanc se situe aux États-Unis. Les Enchanteurs, l'action des Enchanteurs se passe surtout en Russie. Donc l'action peut être dans tout lieu, dans tout pays. Et que se passe-t-il en Afrique? Eh bien, au fond, deux récits, deux textes majeurs pour Gary, et c'est pourquoi on peut aborder cette question. D'une part, La promesse de l'aube. Certains chapitres de La promesse de l'aube racontent dans quelles conditions il est arrivé à Gary de vivre en Afrique, de séjourner en Afrique, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'autre part, Les racines du ciel, grand roman dont l'action se déroule presque toujours en Afrique. Les racines du ciel, c'est le roman de l'Afrique. Or, ces deux textes sont essentiels dans la carrière de Gary. La promesse de l'aube est naturellement le texte peut-être le plus connu, le plus célèbre, à juste titre. Les racines du ciel est un roman qui a obtenu le prix Goncourt en 1956, un grand roman, même si ce Goncourt a été un petit peu effacé par le second Goncourt que Gary a obtenu sous l'identité d'Émile Ajar avec La vie devant soi en 1975. Mais Les racines du ciel, ça reste un très grand roman qui a été controversé en son temps, qui n'est peut-être pas le plus lu, le plus connu de Gary, mais qui mérite d'être réhabilité, notamment pour cette vision de l'Afrique. C'est pourquoi nous allons nous y intéresser ici. Ce n'est pas rien, ces deux livres, La promesse de l'aube et Les racines du ciel, et c'est surtout à ces deux textes que je vais m'intéresser en m'appuyant sur l'édition de ces deux œuvres que j'ai établies dans le premier volume des romans et récits de Romain Gary dans la Pléiade, édition parue en 2019 chez Gallimard. 1956 pour Les racines du ciel, 1960 pour La promesse de l'aube. Ces deux livres sont suffisamment importants aux yeux de l'auteur pour qu'il leur donne une nouvelle édition en 1980, qui est l'année de sa mort. Le moment de leur première édition, la fin des années 50, est évidemment capital d'un point de vue historique. Il marque en Afrique la fin de l'Empire français et la grande vague de la décolonisation. Que nous lit donc le romancier de ce tournant historique? Comment son usage de la fiction permet-il d'accéder à sa façon à la vérité historique de cette période charnière? Voilà ce qui m'intéresse chez Gary. Il est à la fois un écrivain qui croit au pouvoir de la fiction, et à l'époque où il écrit, autour de 1955-60, à la grande époque du nouveau roman, à la grande époque du structuralisme, cela ne va pas de soi, de croire au roman, de croire en la fiction. Mais cette foi qu'il a pour les pouvoirs de la fiction n'efface en rien, au contraire, la lucidité politique de cet observateur qui est aussi, par ailleurs, on le sait, diplomate. C'est donc par les moyens du roman qu'il nous éclaire sur cette époque de transition essentielle pour l'histoire de l'Afrique et pour l'histoire du monde, qu'est la période des années 50-60. Gary écrit un roman de l'Afrique, dans Les racines du ciel, un roman d'Afrique qui est d'une criante vérité, tout en étant le comble de la fiction. Alors, comment y parvient-il et pourquoi cet intérêt pour l'Afrique? Pour y répondre, je commencerai par l'expérience personnelle de l'Afrique racontée dans La promesse de l'aube. Et il s'agit d'ailleurs, moins dans ce texte, d'une étape de sa vie réelle que d'une facette du mythe
personnel qu'il construit, hein, du mythe qu'il construit de lui-même. On peut considérer que La promesse de l'aube est plus une automythographie qu'une autobiographie. Hein, Gary y construit son autoportrait comme une œuvre d'art et l'étape africaine contribue à la construction de cette image de soi. Après La promesse de l'aube, dans un deuxième temps, j'examinerai la vision politique, la vision historique que Gary donne de l'Afrique dans Les racines du ciel, en romancier attentif à la complexité géopolitique de son époque. Et enfin, dans un troisième temps, nous verrons comment il faut articuler cette dimension politique du roman avec sa dimension proprement romanesque, imaginaire, symbolique, à qui transcende l'histoire immédiate au profit d'une réflexion anthropologique bien plus large. D'abord donc, l'image de l'Afrique dans ce qu'on pourrait appeler le mythe personnel de Romain Gary. Il faut commencer par examiner ce qui relève de la biographie vérifiable, hein, le parcours d'un Français libre en Afrique en 1940-41. Au moment de la déclaration de guerre en 1939, Roman Katsef, hein, tel est son nom de naissance, et c'est le nom qu'il a jusqu'à l'Afrique, hein, jusqu'à 1941, Roman Katsef est mitrailleur et instructeur à l'école de l'air qui est transférée à Bordeaux-Mérignac. Au moment de l'invasion allemande et de la débâcle en 1940, il s'envole pour Alger aux environs du 20 juin dans l'intention de poursuivre la lutte. L'Afrique du Nord est alors un territoire où la poursuite de la guerre semble possible hein, au moment de l'appel du 18 juin. D'Alger, il rejoint l'école de l'air qui s'est repliée à Meknès, au Maroc. Mais quand il apprend que les autorités françaises d'Afrique du Nord ont accepté les conditions d'armistice et se sont ralliées à Pétain, il gagne la Grande-Bretagne via Casablanca, de façon assez rocambolesque. C'est une première expérience fort mouvementée du territoire africain, nord-africain, hein, qui est racontée dans les chapitres 32, 33, 34 de La promesse de l'aube. Il rejoint donc Londres, il est intégré dans les forces aériennes françaises libres, il devient navigateur bombardier et suit alors son escadrille en Afrique à l'automne 1940, au moment où l'Afrique équatoriale française vient de rejoindre De Gaulle grâce à l'action de Leclerc, offrant un premier territoire à la France libre, encore à l'état naissant, encore balbutiante. Il découvre d'abord alors, en Afrique la Côte de l'Or, l'actuel Ghana, le Nigeria, donc les colonies britanniques. Il est censé participer, depuis ces territoires-là, au convoyage d'avions, et je cite un passage de La promesse de l'aube, le convoyage d'avions sur la grande route aérienne Côte de l'Or, Nigeria, Tchad, Soudan, Égypte, hein, pour rejoindre le front de Libye et d'Égypte. C'est ce qu'il dit dans La promesse de l'aube. Il précise d'ailleurs qu'il n'a jamais lui-même effectué ce voyage jusqu'au bout. Hein, toute tentative s'étant soldée par un échec, j'y reviendrai. Au début de l'année suivante, donc en 1941, alors qu'il est toujours en Afrique, double changement important dans sa vie. D'une part, il commence à se faire appeler Gary de Katsef. Les particules étaient assez bien vues, au fond, dans les forces aériennes françaises libres, et il a cette idée de trouver ce nom, Gary, qui commence à être en usage à ce moment-là. Et c'est le moment aussi où il apprend la mort de sa mère, telle est du moins la réalité, même s'il présente les choses un peu autrement dans La promesse de l'aube, j'y reviendrai aussi. Il est affecté à Bangui, capitale à l'époque de Lubangui Shari, qui fait partie de l'AEF, hein, de l'Afrique équatoriale française, et qui deviendra la Centrafrique. En avril 1941, nommé sous-lieutenant, il assiste à la visite de De Gaulle à Bangui. Dans le chapitre 17 de La promesse de l'aube, donc avant l'épisode proprement africain, mais il anticipe sur cet épisode-là, il raconte comment il a, à l'occasion de cette affectation à Bangui, comment il a joué un spectacle de comédie avec quelques camarades, devant le général de Gaulle, lors de la visite de De Gaulle à Bangui. Alors que tout le monde riait aux éclats lors de la répétition, quand le spectacle est donné ensuite en présence de De Gaulle, ce dernier reste impassible et personne n'esquisse alors le moindre sourire. Je cite un extrait de ce passage parce qu'il est révélateur et savoureux. Il montre un aspect de Gary qu'on ne connaît pas forcément, celui de l'acteur de sketch. Ce fut un désastre complet. J'ai juré depuis de ne plus jamais jouer la comédie ni chanter la chansonnette devant le général de Gaulle, quelles que soient les circonstances dramatiques que mon pays traverserait. Le général de Gaulle, dans sa tenue blanche, se tint très droit au premier rang des spectateurs, le képi sur les genoux, les bras croisés. Il n'a pas bougé, tressailli ou marqué une réaction quelconque pendant toute la durée de la représentation. Je crois simplement me rappeler qu'à un moment, alors que, levant très haut la jambe, j'esquissais un pas de French Cancan,
Cependant qu'un autre acteur s'exclamait « je suis cocu », comme son rôle l'exigeait, je crus percevoir en louchant un léger frémissement de la moustache sur le visage du chef de la France libre. Mais, peut-être me suis-je trompé, il se tenait là très droit, les bras croisés, et il nous fixait avec une sorte d'implacable attention. L'œil était dans la salle et regardait Cain. Or, tout le public, qui riait la veille, a la même attitude, est figé par l'attitude du général dont il ne voit pourtant que le dos. Hein, et Gary en tire cette leçon que le général a un pouvoir sur les foules extraordinaire, exerce une aura extraordinaire. Donc l'épisode illustre une Afrique ralliée à De Gaulle, une Afrique qui est terre de résistance par conséquent, et l'épisode illustre aussi un jeune Gary qui apprend son rôle dans la vie sous le regard du général. Hein, c'est révélateur de ce modèle, même si c'est présenté de façon comique. Gary suit ensuite son escadrille à Khartoum, au Soudan, via Fort Lamy, au Tchad, ville qui jouera un rôle capital dans les Racines du Ciel. Mais au Soudan, alors qu'il devait participer aux opérations d'Abyssinie, les opérations se sont déjà terminées et l'unité de Gary doit quitter le Soudan pour la Syrie, où Gary, atteint de typhoïde, sera très malade. C'est donc la fin de l'épisode africain d'un point de vue strictement biographique. Mais le plus intéressant dans La Promesse de l'Aube, c'est la transformation de cet épisode biographique en étape initiatique, en moment d'un parcours de formation initiatique. L'épreuve de la perte, l'épreuve de l'apprentissage de soi par une forme de descente aux enfers. Si l'épisode africain ne correspond qu'à quelques mois de la vie de Gary et n'occupe qu'une place limitée dans le récit de La Promesse de l'Aube, il est capital, en effet, d'un point de vue symbolique, dans le récit initiatique de la construction de soi. La scène de comédie, dont j'ai cité un épisode, montre que l'Afrique est pour Gary un décor, l'espace où il façonne son personnage, l'espace où il se met en scène. L'arrivée à Bangui en février 1941 correspond à la fois à l'adoption de ce nom de Gary, dont j'ai parlé, d'abord sous la forme Gary de Kassef, indice d'une nouvelle naissance, et à l'annonce de la mort de sa mère, décédée le 16 février, dont il est informé peu après par une lettre de son ami René Agide. Or, La Promesse de l'Aube ne raconte ni l'un ni l'autre. Le récit ne dit rien du nom de l'auteur, de ce nom Gary, qui est pourtant sur la couverture, ce qui est paradoxal pour un texte qui pourrait se présenter comme un texte autobiographique. Le nom de l'auteur est absent du texte. Et d'autre part, le récit relègue la découverte par le narrateur de la mort de sa mère à la fin du récit. On se rappelle la magnifique histoire des lettres que la mère du narrateur aurait écrites par anticipation afin qu'elle continue à parvenir à son fils après sa mort à elle et qu'elle continue à alimenter ce cordon ombilical qui permettrait de soutenir le combattant dans sa lutte contre la barbarie nazie. C'est très beau, mais c'est de l'invention pure. Gary a appris que sa mère était morte bien avant son retour à Nice à la Libération. Alors que dans La Promesse de l'Aube, il y a une fin magnifique, très émouvante, où le narrateur découvre à la fin de la guerre la mort de sa mère. Comme ce récit est surtout un hommage à la mère, comme La Promesse de l'Aube est peut-être plus encore une biographie romancée de la mère que de soi, que de Gary lui-même, il importe de prolonger artificiellement la vie de Nina Katsef jusqu'à ce magnifique mot de la fin qu'il y a dans La Promesse de l'Aube. Cependant, cet événement, cette perte irrémédiable, elle a bel et bien marqué Gary pendant son séjour africain. Cette perte, elle est transposée dans l'épisode africain à travers le thème omniprésent de la chute, de l'échec, de l'épreuve de la mort, de la présence, de la menace de la mort. L'Afrique est pour le narrateur une traversée des enfers. Ainsi, lors d'un accident d'avion dans la brousse du Nigeria, événement qui semble bien avoir été inventé, ses deux compagnons de vol sont tués à ses côtés et il reste enfermé dans sa carlingue pendant 38 heures dans une chaleur infernale, nous dit le texte. Et c'est alors qu'il a la vision de sa mère. Elle penchait la tête de côté, les yeux à demi fermés. Elle pressait une main contre son cœur. Je l'avais vue dans la même attitude il y avait déjà tant d'années au moment de sa première crise de coma insulinique. Son visage était gris. Donc dans La Promesse de l'Aube, le narrateur n'est pas censé apprendre la mort de sa mère. Et il a une vision de sa mère qui a le visage gris. « Maman !» lui dis-je en levant les yeux. « Maman, elle me regardait. » Du point de vue de la chronologie d'action, c'est le moment, de fait, où Gary a appris qu'elle était morte. Or, chaque tentative de vol en Afrique se solde par un échec, comme si cette expérience de la perte ne faisait que se répéter.
Je cite un autre passage. « Il en fut ainsi pendant tout mon séjour en Afrique. Chaque fois que je m'élançais, le ciel me rejetait avec fracas. J'allais au tapis avec une régularité étonnante. Assis sur mon derrière, à côté de ma monture renversée, avec dans ma poche la dernière lettre où ma mère me parlait de mes exploits avec une confiance absolue, je baissais le nez, soupirais, puis me relevais, essayant encore une fois de mon mieux. » Romain ne parvient pas à devenir le héros que sa mère voulait faire de lui, que sa mère rêvait qu'il devienne. Incapable d'accomplir le moindre exploit, ils sont dans la mélancolie. L'Afrique n'est pas du tout pour lui terre d'aventure, elle est terre de l'ennui, et d'un ennui mortel au sens le plus fort. Le narrateur raconte qu'un ami l'a surpris alors dans sa tente avec son revolver sur la tempe, sur le point de se tirer une balle dans la tête, sur le point d'accomplir ce geste par lequel, de fait, Gary allait pour de bon se donner la mort 40 ans plus tard. Même l'amour est miné par la mort. Romain dit avoir fréquenté et même épousé à Bangui une charmante africaine toute jeune. L'Éden semble alors près d'être atteint, ce serait le paradis retrouvé. L'Afrique, par sa proximité avec l'état de nature, d'un point de vue mythique, l'Afrique permettrait de réaliser la fusion des cœurs et des corps, permettrait de conjurer la malédiction de Babel qui sépare les peuples et les races. Je cite un passage, « Louison, c'est le nom de cette jeune fille, Louison vint habiter avec moi. Je n'ai jamais éprouvé dans ma vie une plus grande joie à regarder et à écouter. Elle ne parlait pas un mot de français, et je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, si ce n'est que la vie était belle, heureuse, immaculée. » C'est un certain visage de l'Afrique à un moment. Or, Romain découvre bien vite que cette Louison est atteinte par la lèpre. Elle va se faire soigner au Congo belge et il ne la reverra pas. Donc l'Afrique représente, pour le futur écrivain, non le paradis de la nature préservée, mais l'enfer de la séparation, l'enfer de l'épreuve de la mort. C'est en Afrique qu'il attrape lui-même cette typhoïde qu'il essaiera de soigner à Damas, mais à Damas, à un moment, il est si près de mourir qu'il reçoit l'extrême onction, et quand il se redresse parce qu'il veut vivre, on le prend pour un spectre, on le prend pour Lazare, sorti du tombeau. Ce qui le fait tenir à la vie, dit Gary à propos de cet épisode, c'est le refus de l'informe, c'est une certaine idée de l'art. C'est l'art qui le fait tenir. L'Afrique l'a donc mis à l'épreuve des limites de l'humain, l'Afrique l'a mis à l'épreuve de l'informe, mais il fallait sans doute en passer par là pour renaître comme écrivain. Le nom de Gary sera celui qu'il gardera sur la couverture de son premier roman publié La Libération, Éducation européenne. Donc, quand il naît comme écrivain, Romain Katseff choisit de s'appeler Gary. C'est ce roman qu'il a commencé à écrire, dit-il, sur le bateau qu'il emmenait en Afrique dès l'automne 1940. La première nouvelle de mon roman Éducation européenne fut écrite à bord du navire qui nous emportait vers les combats du ciel africain. Donc, la genèse de l'œuvre est liée à l'Afrique. Ce voyage au bout de la nuit africaine qui va le séparer pour toujours de sa mère, qui va lui faire perdre les illusions d'un héroïsme facile. Ce voyage au bout de la nuit est un apprentissage nécessaire sur le chemin de sa vocation d'écrivain. Il faut, en quelque sorte, que l'adjudant Katseff tombe, fasse des chutes à répétition, pour que l'écrivain Gary s'élève, se forme et s'accomplisse. Il faut que meure Katseff pour que naisse Gary. Telle est l'éducation africaine de l'écrivain. Alors, bien que le texte de La promesse de l'aube soit écrit et publié au moment où la décolonisation de l'Afrique est au centre de l'actualité, il n'en laisse rien paraître. Le but est bien, dans ce texte, de faire renaître l'Afrique centrale comme terrain de lutte contre la barbarie nazie autour de 1940 et comme territoire d'un parcours initiatique personnel. Donc l'objectif n'est pas du tout d'évoquer l'Afrique des années 55-60 dans La promesse de l'aube, malgré la date de parution du livre. En revanche, c'est très différent dans Les racines du ciel, publié 4 ans plus tôt en 1956, parce que l'histoire racontée y est quasi contemporaine du moment de la rédaction. L'action du roman se situe dans les années 1953-1955 et prend pleinement en compte la situation politique de l'Afrique coloniale à cette époque. J'en viens donc à cette vision géopolitique de l'Afrique au tournant des années 50. Et Gary est d'abord un observateur de l'actualité internationale dans le roman « Les racines du ciel ». L'histoire du roman se développe autour du personnage de Morel, un ancien résistant français qui combat les massacres d'éléphants au Tchad et dans la région.
Il combat les massacres d'éléphants commis par les chasseurs, commis par les braconniers. Il cherche d'abord à lutter par des pétitions, puis il prend le maquis, suivi d'un groupe d'hommes et d'une femme, pour poursuivre la lutte dans la clandestinité. Son seul objectif, dit-il, c'est la protection de la nature. Morel refuse toute récupération politique de son action. Mais cela ne signifie nullement que le roman n'est pas de dimension politique. L'histoire de Morel est bel et bien située dans le temps et dans l'espace, et elle engage une réflexion sur l'histoire politique, sur l'histoire du monde, et de l'Afrique en particulier, à l'époque. L'intrigue se déroule sur certains territoires de l'AEF, de l'Afrique équatoriale française, au Tchad et dans l'Oubangui-Chari, ainsi que dans un pays houlé, imaginé par Gary aux confins du Soudan. Quand Gary écrit ce roman, il est diplomate à New York, aux Nations Unies, puis à Los Angeles comme consul général de France. Il se situe donc à un certain observatoire de la vie politique internationale. Même s'il suit d'assez loin ce qui se passe en Afrique, et on reprochera parfois à son roman d'être assez abstrait, assez vague dans la représentation du pays et peu réaliste, Gary porte un regard très pénétrant sur la situation en AEF à l'époque, à un moment où les colonies de la vieille Europe sont ébranlées par différentes formes de contestation, de lutte, qui bientôt leur seront fatales. L'action racontée commence peu avant la conférence de Bukavu, ville du Congo belge, qui a eu lieu effectivement en octobre 1953, à une conférence internationale pour la protection de la faune et de la flore en Afrique, et c'est pour peser sur les décisions de cette conférence que Morel fait signer ses pétitions, et l'histoire s'achève avant la conférence de Bandung, annoncée à plusieurs reprises comme prochaine, et qui s'est dans la réalité tenue en avril 1955, marquant, comme on le sait, la naissance du mouvement des non-alignés. C'est un moment majeur dans la prise de conscience d'un tiers-monde libéré des anciennes puissances coloniales. Les repères chronologiques propres à l'intrigue sont peu nombreux et imprécis. En revanche, les repères empruntés à l'actualité bien réelle de l'époque sont multiples et ils dessinent une cartographie très juste du cadre géopolitique contemporain en Afrique et dans le monde. Quelques exemples. On apprend qu'à l'est du Tchad se déroule la révolte des Mau Mau au Kenya. Et il est question de Kenyatta qui est alors emprisonné, en train de pourrir au fond de quelques geôles du Tanganyika. C'est la situation dans les colonies britanniques de l'Est de l'Afrique. En Égypte, il est question du projet de rattachement du Soudan à l'Égypte par le roi Farouk en 1951, puis à la prise du pouvoir par Nasser en 1952. Il est question de sa lutte contre les frères musulmans, de son action pour soutenir les mouvements indépendantistes en Afrique. Le poids de l'Égypte est très important à l'époque dans les rapports de force au cœur de l'Afrique. Il est aussi question de l'Union soviétique, au-delà de l'Afrique, mais non sans rapport avec l'Afrique. La mort de Staline en 1953 est évoquée, à la découverte d'un Staline paranoïaque massacreur par ceux-là même qui, pendant 20 ans, l'avait proclamé génial père des peuples, dit l'un des personnages. Donc la remise en cause du culte de la personnalité du petit père des peuples est signalée. Et Gary évoque aussi toutes les efforts de l'URSS pour agir en vue de l'indépendance des peuples d'Afrique. À l'apparition des Racines du ciel, la presse communiste en France et la presse soviétique, qui étaient sur la même longueur d'onde bien sûr, dénonceront à l'unisson ce roman accusé de défendre le système colonial, en ce même mois de novembre 1956, qui voit les chars russes écraser à Budapest les velléités d'indépendance hongroise. C'est le climat de l'époque, au moment même de l'apparition des Racines du ciel. Dans le roman, on évoque aussi l'activisme des Félagas en Afrique du Nord, et c'est de fait le début de la guerre d'Algérie. On y parle également du Vietnam. Au Nord-Vietnam, c'est la défaite de l'armée française en 1954. Un envoyé du gouvernement qui voit dans Morel un agitateur politique à la solde des soviétiques regrette qu'on n'ait pas mis en Indochine les moyens suffisants, ce qui explique le désastre qui s'est produit en Indochine, qu'il ne faudrait surtout pas voir se répéter en Afrique. C'est l'un des points de vue des partisans du système colonial qui sont représentés dans le livre. Ce roman d'une lutte pour la protection de la nature au fond d'une brousse perdue est donc en réalité un parfait miroir de concentration des crises contemporaines. Gary situe l'histoire de Morel à un moment charnière, entre deux situations historiques fort différentes de la relation entre l'Europe et le monde. À l'époque des empires coloniaux, l'époque qui naîtra après la fin de ces empires coloniaux. Il explicite cette idée, mais dans l'édition de 1980, il y a des ajouts en 80, que le recul historique lui permet de mentionner.
Le colonialisme vivait ses dernières heures, mais il ne voulait pas le savoir. Une belle formule pour résumer la situation de l'Afrique autour de 1955. Le colonialisme vivait ses dernières heures, mais il ne voulait pas le savoir. En effet, dans le roman, les colons qui fréquentent le bar du Tchadien à Fort-Lamy, les propriétaires des plantations, ceux qui tirent sur les éléphants, pour l'ivoire ou pour le plaisir, tout cela vivent encore au temps de l'Empire français. Ils n'ont pas encore franchi le seuil historique qui va faire passer à une autre étape. Alors que par ailleurs se dessine déjà la possibilité d'une décolonisation au nom précisément du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais cette décolonisation, on ne sait pas encore, autour de 1955, si elle se fera avec l'accord de l'ancienne tutelle, ou bien au bénéfice d'une Afrique islamisée, le thème est mentionné dans le roman, ou bien au profit de mouvements nationalistes soutenus par Moscou ou par le Caire. Le roman envisage tous ces possibles. Ce n'est pas seulement un roman de l'Afrique présente, c'est aussi un roman de l'Afrique possible ou des Afriques possibles, des différents scénarios qui se présentent pour le futur. C'est Le Clésio qui dit avoir éprouvé le sentiment au lendemain de Dien Bien Phu, donc en 1954. Je cite un mot de Le Clésio qu'il a prononcé lors d'un entretien avec le Nouvel Observateur en 2003. On était arrivé à la fin d'un cycle, d'une ère des impérialismes et des colonisations. En 1954, fin d'un cycle, début d'un autre cycle. On est donc à un moment de l'entre-deux. Une période s'achève, une autre n'a pas encore commencé. C'est une transition qui ouvre sur l'inconnu. C'est ce qui laisse du champ à des hommes d'action qui cherchent à peser sur les choix de l'avenir. Que ce soit Morel avec sa lutte pour la nature, que ce soit le nationaliste Waïtari, un partisan de l'indépendance, dans Les Racines du Ciel. Donc le temps des incertitudes politiques est aussi celui qui permet l'aventure. Je reviendrai peut-être sur cette idée. Mais voyons à présent comment la clairvoyance politique de Gary s'empare plus précisément de la question coloniale. Dans sa représentation du colonialisme, le roman est nuancé. L'administration coloniale est certes présentée sous un jour peu flatteur, mais elle pêche plus par ses faiblesses et ses contradictions que par un excès d'autorité. Elle n'a pas assez d'hommes pour contrôler le territoire, ses décisions ne sont pas respectées, la métropole est surtout préoccupée par l'effet de l'affaire Morel sur l'opinion, et en particulier l'opinion américaine. Le diplomate Romain Gary, depuis New York, connaît l'importance de l'opinion américaine pour l'image de l'Union française, pour l'avenir de l'Union française. Il y a bien dans le roman des représentants de l'autorité coloniale, l'administrateur Saint-Denis, le commandant doméariste Schœlcher, qui est conseiller militaire du gouverneur, le gouverneur du Tchad lui-même, qui n'est pas nommé, mais ces personnages éprouvent de la sympathie pour Morel et ne sont nullement portés à une politique répressive. Ils sont plutôt tolérants et sceptiques. Ce ne sont pas des représentants de l'autorité coloniale. Comme Gary le fera plus tard dans Les Trésors de la Mer Rouge en 1971, l'auteur distingue donc d'une part l'idéologie colonialiste et le système colonial, fondé sur l'asservissement d'un peuple par un autre et qu'il réprouve totalement, et d'autre part, certaines personnes, même parmi les colons, des hommes et des femmes dont les actions en matière de développement social et sanitaire ont pu être remarquables, tel le père Fargue dans le roman, un personnage de franciscain haut en couleur, qui est un ancien aumônier de l'aviation de la France libre, ce qui n'est pas neutre, et qui est présenté comme le missionnaire préféré, des lépreux et des sommeilleux, c'est-à-dire des victimes de la lèpre et de la maladie du sommeil. Dans un entretien avec Jean Daniel, publié dans l'Express en janvier 1957, donc peu de temps après la publication des Racines du Ciel, Romain Gary déclarait, je cite, « Le colonialisme a vécu. Je ne vois pas comment on pourrait sans égarement défendre son prolongement. Là-dessus, mon livre, Les Racines du Ciel, est clair. J'aime trop les peuples noirs pour rêver d'autres rapports avec eux que ceux de l'égalité et de la fraternité. » Le colonialisme est donc condamné, mais, ajoute Gary, il ne doit pas être jugé comme un péché historique, mais comme une forme sociale, naguère explicable, aujourd'hui révolue. Il est donc inutile à ses yeux, autour de 1955, de prendre pour cible un système politique qui est condamné par l'histoire, et qui est en train de mourir de lui-même. Pour Gary, l'urgence est ailleurs, il s'agit de se demander quel système va occuper la place laissée vacante par l'effondrement des systèmes coloniaux. Or, le pire ennemi pour lui à l'époque, c'est le totalitarisme,
Il n'est pas certain que Les Racines du Ciel soit à première lecture un roman anticolonialiste, encore que, on va y revenir. En revanche, il s'agit clairement d'un roman anti-totalitaire. Dans la troisième partie du roman, il y a même une parenthèse sur le cinéma soviétique, quelques pages d'une scène qui se déroule à Moscou, où on voit qu'il est interdit à Moscou de parler d'éléphants, d'imaginer des troupeaux d'éléphants dans des films, parce que ce serait un rêve de liberté, ce serait subversif. Les éléphants, l'image d'éléphant est interdite sous le régime communiste à Moscou, parce que l'éléphant est image par excellence de la liberté. Les éléphants étaient aussi synonymes de liberté pour les prisonniers des camps nazis, on le voit dans le roman, hein, puisque Morel, quand il était prisonnier dans un camp allemand, rêvait de troupeaux d'éléphants en liberté pour vivre librement, intérieurement, dans sa vie intérieure. Le régime soviétique a donc pris le relais, aux yeux de Gary, du totalitarisme hitlérien. Hein, il est vrai que Gary a subi dans son enfance des déplacements qui étaient dus au régime bolchevique. On sait qu'il a assisté de très près à la mainmise des communistes sur la Bulgarie en 1947. Il apprend peu après la publication des Racines du Ciel l'écrasement de la Hongrie par les chars soviétiques, j'en ai parlé, quelques jours avant l'obtention du Goncourt, dans ce contexte de l'intervention soviétique en Hongrie, il écrit à André Malraux qu'il a saigné pour les éléphants hongrois. Donc ceux qui luttaient pour la liberté en Hongrie sont parents des éléphants qu'ils représentent en liberté dans la brousse africaine. L'Afrique, les éléphants d'Afrique, représentent cette liberté contre le totalitarisme. Qu'en est-il par ailleurs de la politique française vis-à-vis de l'Empire colonial, d'après le roman? En 1956, De Gaulle n'est pas encore revenu aux affaires. Alors, il y a cependant le souvenir de la résistance gaulliste en Morel, qui porte la croix de Lorraine et qui est un ancien gaulliste, qui est toujours gaulliste d'esprit. Le régime de la 4e République est en place et c'est lui qui dicte la politique en Afrique coloniale, à l'époque où Gary est porte-parole de la France à l'ONU. Donc il doit bien représenter, porter la parole d'un régime dont il n'approuve pas tout. Mais Gary a dit souvent qu'au fond, être diplomate, c'était une forme de condition schizophrénique, c'est être double. Donc il a bien dû relayer le point de vue de la 4e République sans forcément y adhérer. Alors il est très sévère pour le régime des partis de la 4e République, même s'il est censé défendre ce régime sur la scène internationale. En revanche, il montre dans le roman un député qui n'est pas complètement ridicule. Il y a des scènes de satire contre la 4e République, mais il y a un député qui n'est pas ridicule. C'est le centriste Robert Dajon qui tente d'intervenir auprès de Waitari, auprès du partisan de l'indépendance, au début de la troisième partie du roman. Et il représente une ligne modérée favorable à un développement économique, culturel et social des populations africaines menées parallèlement à leur émancipation politique après l'indépendance. C'est un peu une préfiguration de ce que sera, de ce que tentera d'être la coopération entre les puissances occidentales et l'Afrique, qui serait devenue fraîchement indépendante. Donc Dajon annonce à sa manière la future politique de coopération. Son point de vue d'ailleurs n'est pas très éloigné de celui de Morel dans le roman. Morel, le héros, qui avoue à propos du problème de la faim qui pousse la population à tuer les éléphants. On ne peut pas se contenter de dire qu'il ne faut pas tuer les éléphants. Il faut bien constater que parfois, la population locale a besoin de la viande d'éléphant pour se nourrir. Et Morel dit, au fond, voyez que j'ai un programme politique, moi aussi, élever le niveau de vie du noir africain. Morel n'ignore pas ce problème. Dajon est attaché à la notion de dignité humaine, de respect de l'humain. C'est pourquoi il est terrifié devant le programme que Waitari réserve au peuple qu'il entend libérer du joug occidental, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et cette notion est essentielle dans le roman, comme elle est à l'époque, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est l'argument des anticolonialistes, c'est l'argument qui justifie tout processus d'indépendance, quelles qu'en soient les formes. Or, ce slogan finit par devenir un cliché, selon Gary, un cliché qui peut se retourner contre les peuples qu'on prétend défendre et libérer. Tel est justement l'intérêt romanesque et politique du personnage de Waitari créé par Gary. Il annonce les dictatures sanglantes qui vont réellement naître en Afrique au tournant des années 60 sur les ruines de l'Union française et sur les ruines des colonies anglaises d'Afrique. Gary est à cet égard visionnaire. Il voit venir une colonisation d'un nouveau genre. C'est ce que dit le personnage de Saint-Denis, l'administrateur français qui est très attaché au peuple d'Afrique et qui rêve lui aussi d'indépendance africaine. Il aimerait éviter à ses peuples, dit-il, les nouvelles Allemagnes africaines et les nouveaux Napoléons noirs,
les nouveaux Mussolini de l'islam, les nouveaux Hitler d'un racisme à rebours. Ce personnage de Saint-Denis ne sait pas encore, et Romain Gary non plus, bien sûr, à l'époque, que Bokassa se fera couronner empereur de Centrafrique sous le nom de Bokassa Ier en 1977. Donc Gary verra tout de même cela de son vivant. Il voyait tout à fait se profiler ce type d'évolution politique dans Les Racines du Ciel, 20 ans avant ce couronnement de Bokassa Ier. Si la décolonisation est non seulement inévitable mais nécessaire, elle risque fort de voir naître une nouvelle forme de totalitarisme, une colonisation intérieure. C'est un thème qui revient régulièrement dans le roman. Waïtari, ainsi, l'indépendantiste Waïtari, et je cite le gouverneur qui parle dans le roman, il rêve d'une domination, d'une puissance, en un mot d'une colonisation, auprès de laquelle la nôtre n'aura été qu'un conte de nourrice. Et Dieu sait qu'il y a des ombres à notre tableau. Le gouverneur du Tchad est lui-même lucide sur ces ombres au tableau de la colonisation, mais il annonce quelque chose, une situation qui risque d'être pire. Ou encore, un autre personnage qui est très attachant, c'est un vieux savant écologiste danois, Perkvist, qui a la même crainte et qui s'adresse à Waïtari en disant « Les dizaines de milliers de nègres morts pendant la construction du chemin de fer Congo-Océan ne sont eux-mêmes rien à côté de ce que vous proposez à l'Afrique. Vous allez être un de ses plus cruels colonisateurs. » Évidemment, Gary n'a pas plu à tout le monde avec ce type de discours. Écrire cela en 1956, c'est aller à l'encontre de l'opinion tiers-mondiste et anticolonialiste à l'époque. C'est aussi d'ailleurs aller à l'encontre des partisans du système colonial tel qu'il est, qui ne veulent pas le changer du tout. En ce sens, Les Racines du Ciel, c'est un roman anticolonialiste et radicalement anticolonialiste, à condition d'admettre que la colonisation ainsi dénoncée, avec le plus de force par le roman, est une colonisation à venir, celle à laquelle les futurs dictateurs soumettront leur propre pays au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors cependant, le discours de Gary n'est pas monolithique, n'est pas univoque. Il présente des points de vue multiples dans le roman, même le point de vue de Waïtari est représenté. Les indépendantistes, les Africains reprochent aux Occidentaux, défenseurs de la nature, de réduire l'Afrique à un jardin zoologique. Et on comprend l'argument. Il est facile pour un Européen de demander aux Africains de préserver la nature et de protéger les éléphants. Pour les peuples d'Afrique, l'urgence à l'époque, c'est comment se nourrir, comment vivre, comment survivre. Donc, cette polyphonie, cette polyfocalisation, ces variations de point de vue, conduisent à relativiser les discours d'autres personnages, comme Saint-Denis, comme Kvist, comme Morel lui-même. Ces changements de point de vue invitent à mettre en question l'idéal d'un espace à préserver en Afrique, sans souci des habitants et de leurs conditions de vie. Le roman n'est jamais un roman à thèse, il expose les contradictions de l'époque, dans leur complexité. En cela, il refuse d'être ce que Gary appellera plus tard un roman totalitaire. Dans Pour Sganarel, un essai sur le roman écrit en 1965, Romain Gary s'en prend à ce qu'il appelle le roman totalitaire, autrement dit le roman qui réduit l'explication de l'être humain à un seul de ses aspects, la psychologie, la sociologie, la politique, la sexualité. Le roman totalitaire est le roman, au fond, réducteur, qui prétend expliquer tout l'homme par un seul de ses aspects. À cela s'oppose le roman total, selon Gary, qui accepte la pluralité des points de vue, qui ne livre pas un mot de la fin unique. Il faut donc, maintenant, dans un troisième temps, nous tourner vers cet usage du roman, selon Gary, qui permet d'atteindre par l'imagination, par l'éloge de l'imagination, une certaine pensée sur l'homme et son destin, ce que Gary appelle l'affaire homme. Il y a une vérité anthropologique de la fiction, notamment dans Les Racines du Ciel, et ce sera mon troisième point. Pourquoi la fiction, pourquoi l'imagination ont-elles un rôle si important pour Gary, y compris du point de vue de la réflexion politique et de la réflexion anthropologique. Il faut revenir à l'histoire de Morel dans le roman. Il est loin d'être le héros d'une épopée. Il répète toujours le même mot d'ordre. Tout ce qui m'intéresse, c'est la protection de la nature. Il ne parle pas beaucoup. Il n'a guère d'éloquence. Ce n'est pas un meneur d'hommes. Ceux qui le suivent essaient d'exploiter à leur profit l'audience qu'il a fini par acquérir. On parle beaucoup de lui, bien sûr. Mais certains finissent par trahir sa cause, comme Waïtari, le militant indépendantiste, ou le personnage de Habib, qui est un trafiquant d'armes libanais. Tous deux vont orchestrer un gigantesque massacre d'éléphants à la fin du roman, l'un pour attirer l'attention sur la cause politique,
qu'il défend, c'est Waïtari, et l'autre, pour alimenter son trafic d'ivoire, c'est Habib. Donc les actions de Morel lui-même peuvent paraître dérisoires. Dans la deuxième partie du roman, il monte une expédition en pays houlé, dans le double but de châtier d'une fessée publique une femme de colon qui détient, je cite, le record féminin de la chasse à l'éléphant. C'est quand même pas très héroïque d'aller donner la fessée à une femme de colon. Et de faire par ailleurs imprimer dans un journal local un manifeste en faveur de la protection de la nature. Donc, autre action, bon, assez pacifique, qui n'est pas extraordinaire, qui ne fait pas montre d'un héroïsme remarquable. En tout cas, Morel écarte toujours tout objectif de nature politique. Je ne fais pas de politique, moi, je défends les éléphants, c'est tout. Alors, on pourrait penser que dans ce combat pour la nature, Morel a échoué. La conférence de Bukavu n'a rien changé de ses décisions. Elle n'a pas interdit la chasse à l'éléphant, comme le demandait Morel. Les amis de Morel sont traduits en justice. Ils subissent tous un procès. Pas lui, parce que lui a réussi à se cacher. Un terrible massacre d'éléphants a eu lieu. Il n'a pas pu l'empêcher. Lui-même disparaît dans la brousse. On ne sait pas ce qu'il devient. L'une des hypothèses pourrait être qu'il a été caché par le paléontologue, le père Tassin, qui est un double du père Théard de Chardin. C'est une hypothèse, mais le roman ne donne pas la solution à coup sûr. Ce qui est sûr en revanche, si Morel, dans son action, semble avoir échoué, ce qui est sûr en revanche, c'est que l'opinion publique mondiale a bien été touchée par la cause qu'il défend. Si bien que même absent, Morel pourra continuer d'agir sur les esprits. Il devient une légende. Morel compte plus, au fond, pour la cause qu'il défend, il compte plus en tant que légende que par ses actions réelles. Or, pour Gary, ce n'est pas rien. Il y a un pouvoir du mythe, un pouvoir de la fiction sur le réel. Morel n'est pas un héros épique, mais il illustre la puissance de l'imagination qui est au cœur de l'esprit de résistance. Pour bien résister, il faut bien imaginer. D'où le roman. Le roman est lui-même œuvre de résistance. La mère de Romain Gary, de même, telle que Gary la présente dans La promesse de l'aube, elle a su vaincre les contraintes du réel grâce au pouvoir de son imagination. Elle a tellement rêvé l'avenir de son fils qu'elle a réussi à faire de son fils non pas un prix Nobel, mais un double prix Goncourt. Non pas un ambassadeur, mais un consul à Los Angeles. Ce n'est pas très loin quand même. Imaginer, c'est modeler le réel. De Gaulle, même combat, si j'ose dire. D'ailleurs, Gary dit que sa mère est le premier général de Gaulle qu'il ait rencontré. Il y a une parenté entre Nina Katzeff et le général de Gaulle. De Gaulle a su dépasser le réalisme qui aurait dû conduire tout Français à accepter la défaite. Il fallait une grande puissance d'invention pour imaginer la France libre et faire en sorte qu'elle devienne réalité. Il fallait d'abord la penser, la rêver, avant de la faire exister. Morel lui-même croit au pouvoir de l'imagination. Depuis qu'il a appris, justement, quand il était prisonnier dans un camp allemand, il a appris ceci, que le fait d'imaginer des éléphants en train de courir dans les grands espaces africains était une prodigieuse source de liberté intérieure. Imaginer l'Afrique, c'est ce qui aide à vivre libre. Donc l'imagination est féconde. L'imagination peut changer le réel. Tous les trois, Nina Katzeff, le général de Gaulle, Morel, sont à leur façon des doubles du romancier, parce qu'ils savent imaginer des récits qui agissent sur le réel en faisant grandir l'humain. Tous les trois expérimentent, comme Gary lui-même, le pouvoir humanisant de la fiction. Tous les trois savent donner à certains êtres, individus ou nations, une marge de liberté qui est vitale grâce à l'imagination. Or, l'Afrique des années 50 permet à merveille de représenter ce que Gary appelle justement la marge humaine. Un espace encore relativement vierge qui permet de respirer hors des systèmes totalitaires ou capitalistes qui enferment les hommes. Et de ce point de vue, le système capitaliste n'est pas préférable au système totalitaire aux yeux de Gary. Tous deux limitent le champ de nos possibles. La marge humaine, c'est une marge intérieure, c'est une liberté intérieure, mais l'espace du territoire africain permet de représenter cette marge. En effet, Gary ne se plie pas à la géographie réelle du Tchad et de l'Oubangui-Chari dans les racines du ciel. Il imagine un pays houlé qui n'existe pas, à l'est ou au sud du Tchad. Il part de régions bien réelles pour élargir l'espace du roman à des territoires inconnus. Cette géographie imaginaire est justement la marge qui permet de créer les conditions de l'aventure. De même que le moment de l'histoire est un entre-deux qui laisse du jeu à l'action, entre les empires coloniaux et une ère nouvelle qui va commencer, de même cet espace est un petit fragment de terra incognita, cette brousse du pays houlé que personne ne connaît,
C'est un espace qui permet l'aventure, au sens fort du mot, c'est-à-dire l'action sur l'avenir, l'action sur des possibles dont on ne sait pas encore ce qu'ils seront. Tel est bien le sens du mot « aventure », souvent employé dans le roman. L'aventure désigne l'ouverture sur l'inconnu, un inconnu que le monde clos de la civilisation moderne ne permet pas de voir et de trouver. L'Afrique est alors le territoire romanesque par excellence. Et cela n'a rien de réducteur, étant donné que le roman, c'est justement la condition de la liberté. L'Afrique est la terre de ce que Gary appelle la fin de l'impossible. On peut rêver à la fin de l'impossible. L'Afrique est une terre du roman, l'Afrique est une terre de résistance, ce qui, pour Gary, est la même chose. Voilà ce que représentent les éléphants selon Gary. Ils représentent la marge humaine, la dignité humaine, la liberté intérieure, un espace de liberté et de dignité qu'il est vital de préserver. Alors, à plusieurs reprises, Gary a dit il n'y a pas d'allégorie, il ne faut pas chercher à avoir un symbole dans l'image des éléphants. Mais il dit bien souvent le contraire, il dit les éléphants représentent la liberté. Et Morel a commencé par imaginer les éléphants, par voir en eux un idéal, un symbole, avant de défendre les éléphants en chair et en os. Il y a donc bien une valeur allégorique, une valeur symbolique de ces éléphants dans le roman. C'est pourquoi l'enjeu esthétique, cet éloge de l'imagination romanesque, ouvre sur un enjeu anthropologique ou philosophique, une vision de l'homme et de sa place dans le monde. Ce sera mon dernier point. Pour le titre de ce roman, Gary avait pensé d'ailleurs à « éducation africaine », mais aussi à « l'affaire homme ». C'est une idée qu'il avait eue, comme ça, il l'avait écrit à Gaston Gallimard. Au moment où Gary était aux États-Unis, c'était pas très facile de correspondre avec Gallimard à Paris, et Gaston Gallimard trouvait ce choix très mauvais. Il n'avait pas tort, d'ailleurs. Il écrit à Gary, d'abord par télégramme et ensuite par lettre, « J'estime que l'affaire homme est exécrable et prétentieux ». Et le titre a quand même été repris pour une édition d'un choix d'article de Romain Gary en collection Folio, donc chez Gallimard. Donc l'affaire homme existe quand même, mais avec un autre usage que celui auquel pensait Gary. Pourquoi l'Afrique est-elle par excellence le continent où se joue cette affaire homme? D'abord, parce qu'il y est question de la place de l'homme dans la nature et du rapport entre la condition humaine et la condition animale, à une époque où le sujet n'était pas si souvent abordé en littérature. Dans la préface à l'édition des Racines du ciel de 1980, Gary peut se vanter d'avoir écrit 25 ans plus tôt, dit-il, le premier roman écologique, le premier appel au secours de notre biosphère menacée. Le premier roman écologique, Les Racines du ciel. Ce n'est pas faux. Le mot écologie et ses dérivés étaient absents de l'édition de 1956, mais l'idée écologique était bien là, et Gary peut à bon droit introduire après coup le mot dans son texte, ce qu'il fait dans l'édition de 1980. Entre-temps, les années 70 sont passées par là, l'écologie politique est née, au fond, depuis surtout le choc pétrolier de 73, 74, 75, au moment où il a inventé aussi Ajar. Mais l'écologie est devenue une notion reconnue. En 1980, il peut retoucher le roman, dans toutes les corrections qu'il apporte, il introduit le mot écologie, le mot écologique, là où le mot n'existait pas du tout dans l'édition de 1956. Cela fait un effet un petit peu anachronique, parce qu'on découvre dans la bouche des personnages des années 50 l'idée d'écologie qui était en réalité absente à l'époque. Mais au fond, Gary peut se le permettre, puisqu'il a bien eu conscience de l'importance du rapport à la nature, de l'importance qu'il y avait à préserver la planète, bien avant que cela devienne un slogan assez partagé. C'est un premier aspect capital de l'affaire homme selon Gary, à l'idée d'une dette de l'être humain vis-à-vis de l'univers naturel, vis-à-vis du monde animal. Ce thème reviendra dans « Chien blanc » plus tard, ce thème reviendra même dans « Gros câlin », ce premier roman signé Émile Ajar, où un python venu d'Afrique occupe le rôle principal, au fond. Le python, il vient de Côte d'Ivoire, il est à Paris, mais il marque un peu cette importance d'un rapport nouveau à chercher entre l'homme et l'animal. Cependant, l'idée même de nature est ambiguë, et l'affaire homme, selon Gary, peut conduire à s'élever contre la nature. L'idée de nature est ambiguë, parce que Morel incarne un refus d'accepter et de subir qui s'en prend aussi aux limites de notre nature. Un autre personnage dit de lui qu'il est un authentique résistant contre notre misérable condition. Morel résiste contre
l'État colonial qui permet que soient massacrés des éléphants, sans doute. Mais il résiste aussi contre la condition humaine. Et c'est pour cette raison, au fond, qu'il gagne les faveurs de l'opinion mondiale. La condition humaine, la nature humaine et ses limites, voilà l'ennemi. C'est ce que dit le gouverneur du Tchad, qui explique ainsi la sympathie de l'opinion publique pour Morel dans le roman. Morel était pour eux le héros d'une cause qui les touchait au plus profond d'eux-mêmes, parce qu'ils rêvaient tous plus ou moins confusément d'arriver à sortir un jour vainqueur des difficultés de la condition humaine. Ils réclamaient une marge d'humanité. C'était en Afrique que l'homme était apparu à l'origine, il y avait des millions d'années, et il était normal que ce fût en Afrique qu'il revînt pour protester le plus rageusement possible contre lui-même. Morel, emblème d'une protestation de l'homme contre l'homme, de l'humain contre les limites de l'humain. C'est bien au-delà de la simple défense des éléphants. C'est bien au-delà de la simple défense de la nature. La marge humaine qu'il faut défendre ne correspond pas seulement aux droits de l'homme ou à la liberté politique. La marge humaine, c'est la possibilité de dépasser les frontières même que nous impose notre condition biologique. C'est limite de la nature, c'est loi de la nature dont Momo dira dans La vie devant soi, le petit Momo qui est peut-être un diminutif de Morel, Momo dira que les lois de la nature sont dégueulasses. Quand il voit comment, à quel point Madame Rosa finit sa vie dans des conditions abominables, les lois de la nature sont dégueulasses. Il faut s'élever contre les lois de la nature. Morel proteste aussi contre les lois de la nature. En ce sens, notre condition, qui est une condition d'homme et de femme qui souffrent, qui vieillissent, qui meurent, ce contre quoi s'opposera, s'élèvera Garrigue jusqu'au dernier souffle, ces lois de la nature, il faut s'élever contre elles, et tout homme, toute femme a des raisons de se retrouver en Morel. Il marque un refus de la condition humaine en tant que telle. En ce sens, la notion même de nature n'est pas simplement ce qu'il faut défendre. La nature, comme dit un personnage vers la fin du roman, c'est un truc qui demande encore à être mis au point. La nature, c'est un truc qui demande encore à être mis au point. Donc ne réduisons pas non plus Les Racines du Ciel à un roman écologique. C'est un roman total, ce n'est pas seulement un roman écologique. Donc il y a une dimension dans le roman qui n'est pas seulement écologique, qui n'est pas seulement politique, mais qui est anthropologique, philosophique, voire métaphysique. Et cela, on le voit peut-être en observant les personnages apparemment secondaires, mais qui sont autour de Morel et qui tous livrent un sens spirituel de l'aventure, un sens profond qui n'est pas simplement d'ordre écologique ou politique. Par exemple, le personnage de Saint-Denis, l'administrateur colonial qui est séduit par la pensée magique des peuples colonisés, au point qu'il espère être transformé en arbre après sa mort, tellement il est imprégné par l'esprit de la pensée magique du pays où il vit et auquel il adhère. Ou alors le père Tassin, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce jésuite paléontologue qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Teilhard de Chardin, parce que Garrigue a connu Teilhard de Chardin, notamment à New York entre 1952 et 1954. Teilhard de Chardin, comme le père Tassin, a mené des fouilles en Afrique. Le père Tassin donc mène des fouilles, fait des recherches sur les origines de l'homme. Et c'est pour cela qu'il s'intéresse à Morel. Qu'est-ce que Morel nous dit du destin de l'humain, de l'avenir de l'humain, des possibles de l'humain? Il y a le personnage de Per Kvist, ce naturaliste, cet écologiste dont je parlais tout à l'heure. Donc écologiste, matérialiste, mais aussi fin connaisseur du Coran et de la Bible, qui ne se sépare jamais de la Bible. Il y a Schœlcher, le commandant de Méhariste, qui finira par entrer dans un monastère de la Trappe, ayant retrouvé une foi fervente au contact de l'islam et de la terre africaine. Je cite ce passage où le choix de Schœlcher est analysé par le personnage de Saint-Denis, puisque le roman est polyphonique et chacun témoigne des autres et donne un point de vue sur les autres. Je crois que sa décision d'entrer à la Trappe avait mûri lentement au contact du désert et de ceux qui l'habitent, au contact de la terre africaine. C'est une terre qui reprend dans son sein plus vite qu'une autre les branches tombées, les ambitions et les hommes. C'est une terre qui est par excellence un lieu de passage, de campement éphémère, d'étape, où les villages eux-mêmes semblent à peine posés, comme prêts à disparaître. Chacun de nous y a reçu sa leçon d'insignifiance, et Schœlcher y fut sans doute plus sensible que d'autres. Leçon d'insignifiance, lieu de passage, lieu de conversion, lieu de mutation, lieu de métamorphose. Garrigue est plus attaché à l'idée de métamorphose qu'à l'idée de conversion, mais ça se ressemble ici.
passage par une leçon d'insignifiance qui mène vers l'absolu. C'est un peu ce que Gary lui-même a vécu d'après l'image qu'il donne de son parcours initiatique dans la promesse de l'aube. C'est un peu l'expérience que lui-même a connue. Voilà en tout cas une problématique quasi religieuse, quasi mystique, qui peut paraître surprenante chez Romain Gary. Donc des personnages qui pouvaient sembler secondaires ne le sont pas vraiment. Ils livrent à leur manière le sens ou les significations du roman. Ils livrent l'explication notamment du titre, « Les racines du ciel », qui fait l'objet de plusieurs explications, notamment par le personnage de Bergqvist, une citation parmi d'autres, et Bergqvist avec sa petite Bible à la main, réaffirmant devant la cour, lors de son procès, puisqu'il faisait partie de l'entourage de Morel, réaffirmant devant la cour son intention de continuer la lutte, de ne jamais renoncer à défendre ces racines infiniment variées que le ciel avait plantées dans la terre et aussi dans la profondeur des âmes humaines, qu'elles agrippaient comme un pressentiment, une aspiration, un besoin de justice, de dignité, de liberté et d'amour infini. Les racines du ciel figurent une sorte de quête d'absolu vouée à l'inachèvement, vouée à n'être jamais satisfaite. Donc voilà la marge humaine qu'il s'agit de préserver. Ce n'est pas simplement la marge humaine de la liberté, des droits de l'homme représentés par les éléphants. Ce sont ces racines du ciel qui représentent des valeurs fondamentales parce qu'elles dépassent notre condition strictement humaine. Et enfin, dernier personnage peut-être, avant de conclure, si Waitari représente un certain type d'Africain qui entend faire entrer le peuple africain dans l'histoire, c'est un passage du roman qui le dit, et non pas un ancien président de la République, faire entrer l'homme africain dans l'histoire, en imitant les pires modèles nationalistes de l'Occident, ça pourrait être ça, l'idée de faire entrer l'Afrique dans l'histoire. C'est le choix de Waitari. Mais il y a un autre personnage africain, porteur d'espoir, c'est le jeune Youssef, qui avait été placé auprès de Morel par Waitari pour tuer Morel. Waitari voulait que Morel finisse un peu comme un martyr, en dissimulant le meurtre, afin de tirer la couverture à lui dans un sens nationaliste et indépendantiste. Or, Youssef ne pourra parvenir à commettre ce geste parce qu'il est contaminé par le refus d'obéissance de Morel, par l'esprit de résistance de Morel. Youssef représente l'espoir d'une indépendance respectueuse de la dignité humaine et qu'il reste à imaginer, loin du modèle soviétique, loin du modèle occidental, loin du modèle de colonisation de l'intérieur qu'on voit se dessiner avec Waitari. L'homme africain peut ainsi entrer dans l'histoire en un sens qui n'est pas celui de Waitari. Il peut entrer dans l'histoire puisqu'il y est depuis le temps des origines, analysé par le père Tassin, alias le père Teilhard de Chardin, et parce que c'est aussi la terre de tous les possibles, où tous les possibles restent ouverts, à l'Afrique, et par excellence la terre où l'avenir reste ouvert, plus que tout autre continent. Alors, j'en viens, en guise de mot de la fin, à un retour à la préface, au premier mot de Gary, dans la préface aux racines du ciel de 1980, ce qui résume un peu sa position sur l'Afrique. J'ai situé mon récit dans ce qu'on appelait encore en 1956 l'Afrique équatoriale française, avec des guillemets en 1980, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire en 1980. Parce que j'y ai vécu et peut-être aussi parce que je n'ai pas oublié que ce fut l'AEF qui, la première, répondit jadis à un appel célèbre contre l'abdication et le désespoir, et que le refus de mon héros de se soumettre à l'infirmité d'être un homme et à la dure loi qui nous est faite rejoignait dans mon esprit d'autres heures légendaires. Il y a beaucoup de choses dans cette déclaration d'intention et dans cette explication. Pourquoi l'Afrique ? Gary donne trois raisons. Parce que j'y ai vécu. Il n'oublie pas que cette terre l'a formé, qu'il y est passé, il s'y est formé. Cette terre lui a appris à lutter contre la forme. L'Afrique a fait passer Gary, de Katsef à Gary. L'Afrique l'a construit comme écrivain. L'éducation africaine lui a appris à devenir Romain Gary. Mais juste après, dans la même phrase, un appel contre l'abdication et le désespoir. C'est l'Afrique coloniale comme terre de résistance, l'Afrique coloniale de 1940, au temps de De Gaulle et de Leclerc, puisque c'est à partir de Fort-Lamy, de Bangui et de Brazzaville qu'a pu naître vraiment la France libre en 1940. Mais aussi, mais encore, toujours dans la même phrase, le refus de se soumettre à l'infirmité d'être un homme et à la dure loi qui nous est faite. Un appel, donc, qui s'étend à tout effort pour résister, pour la défense des éléphants, oui, pour la protection de la nature, oui, pour une décolonisation qui ne fasse pas entrer l'Afrique dans de nouvelles formes de servitude, oui, mais aussi, en dernière instance, contre les limites de la condition humaine comme telle, pour l'avènement d'une humanité nouvelle, plus libre, plus grande,
l'espoir de l'homme à venir étant en quelque sorte la réponse à la leçon des origines, qu'analysent les paléontologues. L'Afrique serait ainsi à la fois terre de naissance de l'homme et terre de l'avenir de l'homme.